Je vous jure. Les fous rires. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir un fou rire dans une émission. Nous, on en a eu un cette semaine. C'était extraordinaire. 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 Oui. Maigret aussi. Oui. C'est quoi, ouais, c'est quoi le bail là? Il vient pas pour rigoler. Oh. C'est quoi? Il vient pas pour rigoler. Oula. Ah ouais? C'est qui? C'est qui? C'est le corbeau. Ah. Ah, c'est le corbeau? C'est le corbeau. Qu'est-ce qui se passe? T'as quoi le corbeau? J'ai des images. De qui? Dossier. Sur qui? Sur ta personne. Oh, yeah. Ah merde. Concernant? Tu vas moins rigoler dans quelques secondes. Ah, vas-y, qu'est-ce qui t'arrive toi? Alors déjà, tu ne m'insultes pas. Non mais c'est chaud les images. Il rigole. Galerie dans le corps. Franchement, ça peut être une fin de carrière. Non. Bah arrêtez, il y a eu le complément d'enquête, je suis passé. Je crois que c'est toi qui vas me faire peur avec tes trois images là. Ça concerne quoi? C'est quoi le bail? Ça concerne des vacances aux États-Unis. Moi, quand je suis allé aux États-Unis? Exactement. Vas-y. C'était en 1998. Vas-y, balance, c'est quoi le bail? J'en ai plusieurs, Hanouna. Vas-y, balance, c'est quoi? Est-ce que tu veux voir la première? Vas-y. Non, je te demandais, est-ce que tu veux voir la première? Ouais, je t'ai dit oui, putain. Oh, très bien. Peur. Envoyons le premier dossier. T'es très beau, en tout cas. Eh oui, c'est bien Cyril Hanouna. Moi bien un petit fils de pute. J'ai pas envie de rire. Mais ça me met que... Okay. Oh, I lost the number. Oh, shit. Alors, hey, personne comprend le bail. Hein. C'est des photos de vacances, c'est des vidéos de vacances. C'est quoi le bail, en fait? Attends, ça arrive. Hein. Ah, oh. C'est quoi? Ça t'arrive à Miami, t'as l'air un peu chafouin, non? Je sais pas, ouais, peut-être, ouais. Eh bah, une petite demi-heure après, t'as l'air un peu plus heureux. Envoyez la deuxième vidéo. Eh oui, à nous les Miami, Johnny Depp. Hey, à tout ça, kiss, kiss, kiss. Together. No. Why? Le Porto Rica. Non, mais c'est Lorenzo Lamas, surtout. C'était en plus. Rien. 15-0. Quoi, qu'est-ce que t'as? Dis-moi, ouais. À l'époque, ouais. T'aimais déjà les bateaux? Ouais. Oulala. T'aimais les bateaux à Miami? C'est quoi le bail? Et la Rousseau? Ouais, c'est rien, vas-y. Eh ben, regarde ça, connard. Et je vous dis, il y a eu zéro bail. C'est la cousine de Gabi, il n'a rien à voir. On vous dit, il y a zéro bail. Non, mais il y a zéro bail. Voilà. Je te crois, il n'y a pas de problème. Bon, ouais, t'as quoi d'autre? T'aimais bien Ricky Martin? Ouais, franchement, ouais. Tu veux vraiment qu'on mette l'image de Ricky Martin? Je m'en rappelle pas, mais je pense pas que non. Je pense qu'il vaut mieux pas la mettre. Eh ben, envoyez Ricky Martin. Voilà, tu veux être Ricky Martin? Si. Comment estás? Estás bien, hein, non? Ricky, tu parles un petit peu français? Oui, je parle un peu le français. Je t'aime, Paris. On arrête là, on arrête là. Non, on n'arrête pas là. Non. T'as quoi? Parce que t'as chanté Ricky Martin. Ouais. Mais vous l'avez rencontré, Ricky Martin. Ah ouais? Ouais, il était dans un endroit un peu particulier. C'est quoi le bail? Alors je vois pas du tout en plus. Vas-y. Eh ben regarde, connard. Non. Ces images sont assez exceptionnelles. Nous allons aller directement dans l'antre de Ricky Martin. J'ouvre la porte. Et là derrière la star. Oh non. Ricky, on t'a pris en flag, mon ami! Non, je n'ai plus le gadget.
C'est bon. C'est bon, on s'arrête là. Allez, on s'en met une petite dernière. C'est quoi le bail? Vous voulez une petite dernière ou pas? Oui, téléphone, téléphone. Non, téléphone, ça c'est sympathique. C'est quoi? Miami, tu as été pour le shopping, pour la mode, pour les cadars et pour Johnny. Ouais. Regardez bien la dégaine de Cyril Hanouna en 98. Regardez, c'est à mourir de rire. Je n'ai pas pris les clés, je n'ai rien refermé. Oui, je les ai trouvés, les chemins prisonniers. Avec le béton, le bruit dans le boudron. Je l'ai mis dans la rue, avec beaucoup de soin. J'avais pris, je me rappelle, j'avais pris les bottes de la mère de mon pote. Là, on voit que vous avez toujours été taré. Rien d'étonnant. Après, il n'avait pas nouveau, ça dans quoi. Complément d'enquête. Ouais, non, c'est vrai, il n'avait pas ça. Ça aurait été pire, c'est bon. Comme tu veux. Ah, non, mais qu'est-ce que t'as encore un bail? J'ai un petit bail. Ouais, une petite vas-y, bah, mets-le allez, comme ça. Tu veux qu'on donne la vraie raison pourquoi t'es parti à Miami? Ouais, vas-y. T'es parti tourner une pub pour de la téléphonie mobile. Vas-y, mon frère. Dans plusieurs langues étrangères, regardez. Je me rappelle pas. Ça, c'est. Bah, écoute, je te rappelle dans la journée. Ok. Moi, Cyril Hanouna, je suis un passionné de communication. Communication avec un grand C, comme Christophe Thiel. Un ami qui est avec moi en classe en 4e au collège Marie Curie. Hi. I'm Cyril Hanouna. I am a very, very patient of communication. And even of that, like communication with a green sea, like Christopher Thiel. Aslem, Edbeck, Cyril Hanouna. M'chi jede, ede, mouche m'nir bulkulede. Mohamed Thiel, il, alket, alouled, ede t'mchi alket. Franchement, c'est catastrophique. Hein. Mais non, vous êtes attendri, non? Quand vous voyez comme ça. Ah, ouais. Mais vous avez le même univers. Ah, bon. Vous avez le même univers. C'est vraiment lui. C'est difficile. C'est difficile. Allez, on va passer à des images. Hein. T'as plus rien, là, c'est bon? Non, c'est terminé. On va me lâcher, c'est bon? Oui. Merci, t'es bien. Il y a juste une autre petite surprise, mais ça, c'est Valérie Benahi qui est en possession. C'est quoi le bail? Faites-le tout de suite, comme ça, ce sera fait. Parce que Cyril, de mon côté, j'ai été contactée par une personne qui a également des dossiers sur vous, mais qui souhaite garder l'anonymat. D'accord. Parce que ce sont des dossiers qui sont quand même extrêmement lourds.